communautaire. Les évêques centrafricains ont dénoncé dans un communiqué publié hier l'hypocrisie qui caractérise la signature des différents accords de paix dans ce pays. Au Niger, les évêques d'opposition ont déposé une motion de censure contre mon gouvernement, devrait dire infini, en face de l'épidémie. Ici à Washington, le président Donald Trump a annoncé hier des sanctions contre le guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei et plusieurs hauts gradés des gardiens de la Révolution. Et en sport, ne manque pas notre journal de la Cannes. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le frère du président Macky Sall a annoncé sa démission de la Caisse des dépôts et consignations, institution financière qu'il dirigeait depuis 2017. Aliou Sall a été épinglé il y a 3 semaines dans un reportage de la BBC sur la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Le point avec Abdourahmane. Dans sa lettre de démission, Aliou Sall a indiqué que cette controverse serait en fait son frère. Il avait mis sa lettre de démission devant la presse, mais on a été empêché par des sympathisants qui s'opposaient à sa démission. En juin 2012, peu après sa première élection, le président Macky Sall avait confirmé la décision de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, d'attribuer l'exploitation des 200 pétroliers et gaziers offshore à une société de l'homme d'affaires australo-roumain Santis. Dans un reportage diffusé le 3 juin, la BBC a affirmé qu'Aliou Sall avait reçu en 2014 une prime secrète de 250 000 dollars de la part du groupe Tunis qu'il aurait engagé après l'arrivée de son frère au pouvoir pour un salaire de 25 000 dollars par mois. Aliou Sall a formellement démenti avoir reçu cette prime. Les autorités sénégalaises ont ouvert une information judiciaire. En Mauritanie, les 4 rivaux du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi dernier, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, rejettent les résultats provisoires donnant la victoire dès le premier tour à l'ancien général. Mais ils ont reporté une manifestation régulière et appelé au calme après avoir promis d'utiliser tous les moyens légaux pour contester ces résultats. Au Mali, la MINUSMA a renforcé hier sa présence dans le centre du pays, une région qui connaît depuis plusieurs mois une escalade des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires entre feu et dogons en particulier. Elle a inauguré un nouveau secteur du centre pour, je cite, permettre une meilleure coordination avec les forces armées maliennes et mieux protéger les civils et favoriser le retour de l'autorité de l'État et de l'État de droit dans la région. Au Niger, un groupe de députés de l'opposition a déposé une motion de censure contre le gouvernement de Blaise Compaoré, dénonçant sa conduite des affaires, notamment sur le plan sécuritaire. L'équipe de M. Racine est en poste depuis 2011. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idriss. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la discussion et le vote de la motion de censure interviennent 48 heures après son dépôt. Le Premier ministre et son gouvernement mettent à profit ce temps pour préparer la réponse au billet porté à la rencontre par les diplomates. Le billet qui, pour le cas d'Afrique, son mandat est évident selon Issoufou Issaka, député du modèle FA, le principal parti de l'opposition. Le gouvernement a montré son incapacité à assurer la sécurité dans notre pays. Chaque jour, c'est des mains qu'on demande quotidien dans les populations civiles générales de FDR. Notre pays a reçu des pièces notables des indicateurs de consommation. En attente, le placement peu enviable de notre pays aura transformé le domaine de la planète en termes d'indice de développement humain. Nous disons trop, c'est trop. Le texte de la mission a été signé par 35 parlementaires, tous de l'opposition, ainsi que qui prennent la majorité de notre. En République centrafricaine, l'Église catholique dresse un bilan mitigé de la situation dans le pays. À l'issue de leur assemblée générale le 23 juin à Ottawa, les évêques centrafricains ont dénoncé la poursuite des violences malgré la signature de l'accord du 6 février entre le gouvernement et les groupes armés de Gambie, correspondant de Kimani Pina.
Dans une des plus étranges, les vedettes de son profil ont dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire du pays. L'ordinateur de paix a fait jeudi dernier entre le gouvernement et les deux armées. Ainsi, le prénat pour la volonté de Bangui à restaurer la paix en redéfinissant l'armée nationale dans certaines régions. Il mentionne que ses militaires sont souvent versés dans la pratique des barrières illégales et de la tête des paisibles citoyens. Le document n'a pas été tendre aux groupes armés que l'Église catholique accuse de non-respect de l'accord de paix. Signé avec le gouvernement et des financiers des civils et des religieux. Le plus fatigué par le conflit qui caractérise la signature des différents accords qui ont été dans ce pays ont dénoncé les évêques. L'assassinat de la religieuse franco-espagnole qui est peinture à en est est aussi évoqué, demandant qu'on ne soit fait que sur ce crime. Les prélats ont par ailleurs mis l'accent sur l'exploitation anarchique des ressources naturelles du pays qui ne profite pas d'une population. Ils attirent l'attention des autorités centrafricaines sur la naissance des milices proches du pouvoir et des conséquences qui pourraient en découler. Enfin, ils demandent à la communauté internationale de faire pression sur les groupes armés afin que ceux-ci respectent leurs engagements. Merci, Pina. Pour VOA. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Les États-Unis ont annoncé hier des sanctions supplémentaires contre l'Iran et le guide suprême iranien, l'Ayatollah Khamenei, et plusieurs hauts gradés des gardiens de la révolution. Je prends avec Irénée Hermantine. Le président américain Donald Trump a signé un décret contre son pays, le but suprêmement iranien son équipe et d'autres qui lui sont étroitement liés d'avoir accès à des ressources financières et foncières. Huit responsables des gardes de la révolution sont aussi concernés 4 jours après la destruction des drones américains par un missile iranien dans la région du Golfe. Le secrétaire américain Mansion promet de 5 milliards de dollars d'actifs iraniens supplémentaires sans être précisé. Avant l'annonce de ces mesures, il a dit que les mesures sont résultats. Les États-Unis ont recherché des sanctions de 2018 pour une série de sanctions économiques contre Téhéran. Et les restrictions sont à prévoir avec l'annonce par l'Iran de l'enrichissement de son uranium qui va dépasser à partir du 27 juin la limite prévue par l'accord de guerre. Et le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Vassil Saoui, a déclaré aujourd'hui sur Twitter, je cite, imposer des sanctions fermes contre le guide suprême de l'Iran et le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, c'est fermer de façon permanente la voie de la diplomatie avec le gouvernement prétentif de Trump. Fin de citation. Une conférence économique coordonnée par les États-Unis démarre ce mardi à Bahreïn afin de mobiliser plus de 50 milliards de dollars pour les Palestiniens pour de grands projets d'infrastructure, l'éducation, le tourisme et le commerce. Cette initiative